Chers amis en Christ, bonsoir. Et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Notre communion anglicane, par le biais de son archevêque, notre archevêque The Most Honorable Justin Welby, a consacré une période allant du jour de l'Ascension, c'est-à-dire jeudi dernier, jusqu'au jour du Pentecôte, de la Pentecôte. Cette période sera appelée The Global Prayer Time, une période qui va nous aider à nous préparer pour la Pentecôte. Aujourd'hui, nous sommes dans le troisième jour et notre thème est Dieu nous a aimés le premier. C'est tiré du premier épître de Saint Jean au chapitre 4, verset 19, qui nous dit « Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés en premier. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Amen. Je vous invite, chers amis, à confesser les péchés que nous avons commis contre Dieu et contre notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Amen. Dieu vient à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Cantique. Quel ami tendre et fidèle nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous
Écoutons attentivement les lectures de ce soir. Deutéronome chapitre 7 versets 6 à 10. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent et il les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait. Il use directement de représailles. Parole du Seigneur. Écoutons et méditons sur les versets 1 à 7 du psaume 18. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit : Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris : Loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. La lecture est tirée de la première épître de Jean au chapitre 4, les versets 13 à 21. À ceci, nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. C'est qu'il nous a donné de son esprit. Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment. Et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Pour nous, nous aimons
parce que lui nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Parole du Seigneur. Écoutez la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 15, les versets 9 à 13. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Évangile du Christ. Louange au Christ, notre Seigneur. Chantons le cantique anglais numéro 373, Help Us, O Lord. Commencement de notre culte. Le thème de ce jour est basé sur 1 Jean chapitre 4 verset 19 qui se lit comme suit. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Dieu nous a aimés le premier. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, mes chers amis, que c'est Dieu qui a fait le premier pas vers nous, nous offrant son amour. Ce n'est pas l'homme qui a cherché Dieu, mais plutôt c'est Dieu qui nous a cherchés parce qu'il nous aime. Rien n'a contraint Dieu à agir ainsi, si ce n'est son amour lui-même. Nous ne méritons pas l'amour de Dieu, tout pécheur que nous sommes. Voici ce que Dieu parle de l'homme dans Psaume chapitre 14, verset 3.
Tous ont quitté le bon chemin. Tous, sans exception, sont compromis, sont corrompus. Aucun n'agit comme il faut, pas même un seul. Amen. Mais quoique Dieu nous a vus dans cet état piteux, il nous a déjà aimés, si bien qu'il nous a offert son amour. Dieu nous a aimés le premier. Cet amour avec quoi Dieu nous a aimés est un amour authentique. C'est un amour vrai, sans hypocrisie. La preuve est que Dieu nous a aimés, Dieu nous a donné son Fils unique, son bien-aimé, en rançon pour nos péchés, afin que nous ayons la vie éternelle. Écoutons ces deux versets bibliques qui nous en parlent. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. C'est selon Saint Jean, chapitre 3, verset 16. Et Jésus lui-même nous dit, comme il disait à ses disciples, « Le plus grand amour que quelqu'un puisse montrer, je reprends, le plus grand amour que quelqu'un puisse montrer, c'est de donner sa vie pour ses amis. » C'est écrit dans Jean, chapitre 15, au verset 13. Qu'est-ce que cet amour de Dieu nous apporte? L'amour de Dieu, mes chers amis, nous apporte le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Il nous assure de sa bénédiction et de tous ses bienfaits, parmi lesquels, je cite, sa protection, qui nous est vraiment utile en ce temps de pandémie du COVID-19 et de tous les dangers qui peuvent survenir dans notre vie de tous les jours. Cet amour que Dieu a envers nous nous affermisse dans notre foi, nous exhorte aussi à aimer Dieu davantage. Écoutons ce que dit le chapitre Romains, au chapitre 8, l'épître Romains plutôt au chapitre 8, les versets 38 et 39, qui disent « Oui, j'ai la certitude qu'on ne peut pas nous séparer de son amour, c'est-à-dire de l'amour de Dieu, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. » Chers amis, ayant su que Dieu nous aime, nous aussi, nous devons en retour aimer Dieu. Car Jésus lui-même nous parle, nous dit que nous devons aimer Dieu. Et dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 14, verset 15, pardon, il nous dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Nous avons le devoir d'aimer Jésus, notre Dieu. Que Dieu nous vienne en aide. Que son Saint-Esprit nous donne la force nécessaire d'aimer Dieu. Car voyez-vous, il est écrit dans l'Épître aux Galates ce que
Paul, Saint Paul a écrit au livre des Galates, chapitre 5, verset 22, et il figure dans ce verset que les fruits du Saint-Esprit sont l'amour, la joie et la paix. Que le Saint-Esprit répand en nous cet amour pour notre Seigneur, pour notre Dieu. Amen. Récitons ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu d'amour, nous te disons merci parce que tu nous as aimés avant même que nous ne t'aimions. Ton amour est si convaincant qu'à notre tour, Seigneur, nous choisissons de t'aimer. Accorde ta grâce à toute l'humanité, toute race confondue, de connaître et suivre, de saisir ton amour. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Amen. Thy kingdom come, Lord, teach us how to pray, for all to know your joy, your peace and love, and know your friendship each and every day, the breath of Christ the Father's gentle breath. Sets us free.
Passons aux prières d'intercession. Dieu notre Père qui es aux cieux, envoie ton Esprit Saint qui nous touche le cœur afin que nous soyons régénérés par ton amour, pour que nous puissions te témoigner davantage à nos prochains. Seigneur, nous t'en prions. Dieu notre Père, toi qui voudrais tant que le monde soit sauvé, étends tes bras d'amour à ce monde meurtri par cette Covid-19. Guéris les malades, protège les personnels de la santé qui s'occupent d'eux et console ceux qui sont dans le deuil. Seigneur, nous t'en prions. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque deux ou trois se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu d'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Amen. Ici prend fin notre culte de ce soir. Soyez bénis et à la prochaine.